Edgar Hadley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo ? C'était mon ami. Il y a quelques jours, il est venu me parler d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante... Pauvre Milo, il ne méritait pas de mourir ainsi. Oh, ouais, je vois de quoi vous parlez. Je suis vraiment désolée pour votre ami. Oh, merci. Rien que d'y penser, le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive... La fugitive ? C'est ainsi que Milo surnommait la cromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne. Pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Ah. Pourquoi voudrait-on risquer sa vie pour du venin d'araignée ? Oui, bonne question. Le venin d'acromantule est un ingrédient de grande valeur pour la fabrication de potions. En grande partie parce qu'il est impossible d'en obtenir sur une acromantule vivante. Comme l'a prouvé ce pauvre Milo. Ouais, j'aurais bien aimé savoir de quel genre de potion elle serait utile. Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Hadley. Hors de question! Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer! Je vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. Oh, vous savez... Oh, vous savez, bon, je risque pas grand-chose. On se trouve donc cette grotte d'acromantule. Ce sera pour plus tard. Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy avec ma petite Mélodie. Alors, on est parti. Alors, comme vous l'avez vu dans cette petite partie de la vidéo que j'ai, qui commence bien, sympa l'écureuil, j'ai voulu faire un petit peu ma récolte de demi-guise. Malheureusement, j'étais arrivé à un stockage assez... Oh, bon allez, je vais le dire carrément, j'étais plein, j'étais vraiment plein, mon inventaire est débordé totalement d'équipements et de... L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Et de tenues auxquelles je ne pouvais plus en prendre de nouveau. Du coup, bah j'avais un vendeur à proximité, malheureusement, ça me lançait tout de suite la quête. J'étais un petit peu dégoûté sur le coup. Donc du coup, on va s'attaquer à celle-ci pour ce début d'épisode. Et je le sens mal. Oh, oh. C'était pas ça que je voulais lancer, mais bon, ça marche quand même. Oh, oh, ça c'était du joli. Saloperie d'araignée. Ah, ah. Dieu. Mince, ils sont venimeux ceux-là. Alors, le niveau conseillé pour cette mission est... Bon. Hop là. Et de niveau 30. Mais si vous avez du skill, vous pouvez vous l'affronter tout seul. Dégage, saleté. Oh, punaise. Oh. Quelle horreur. Des venimeuses, super. Ah, sérieux? Oh. Des petites araignées un peu partout là-haut, mais disons que vous les affrontez, on va rapporter pas grand chose. Aïe aïe aïe, c'est passé quoi là? Ok, oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah. Non. Je t'ai eu.
cocher. Ah oui, comme vous le voyez, j'ai 3 barres de magie ancienne en bas maintenant. Parce que j'ai visité quelques ruines auxquelles ils avaient de la magie ancienne. C'est pour ça que j'en ai gagné une de plus. Oh punaise. La grotte doit se trouver quelque part dans ce labyrinthe. Je me demande ce qu'il y a d'autre ici. Mince, j'en viens. Je suis passé, je suis rentré du mauvais trou. Flûte. Oh, c'est pas grave, au moins je me suis fait un petit peu d'XP. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Il y a quelques œufs d'araignée là-bas. Non, ça doit pas être important. Continuons, évitons de nous balader un peu trop. C'est par là. Ça pourrait bien être la grotte de Grenadule dont parlait Monsieur Adler. Oh putain, t'es moche! Oh, quelle horreur! Alors. Pour le devoir de la professeure, je le dis! Voilà! Oh oh. Merci les potions et du russe. Aïe aïe aïe. Putain. Alors, voilà la tristement célèbre fugitive. Je vais me la prendre. Au. Un ennemi gelé. Oups. Yeah. Calmos. Bon, tu viens, ma grosse. Je suis là. C'est ça. Appelle tes potes si tu veux. Ça m'arrange un petit peu. Parce que j'aimerais bien faire le petit défi, moi. Voilà. M'énerve, toi. Tiens. Pas le bon. Coup double. Ah, 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 ma mélodie. Lâche-la. Saloperie. Maintenant que c'est réglé, je dois trouver l'héritage de la fille de Milo. Saloperie. Oh, quelle horreur. Putain d'Aragog. Ah oui, hein, ça lui ressemble trait pour trait. Hein. C'est la même catégorie d'araignée que nous avons dans le jeu, dans le film. Ça doit être par là. Yep, c'est là. Je dois rapporter cet héritage à Monsieur Adler. Oh, ensemble nonchalant losange. Hein? C'est une petite île. Pour ma petite mélodie.
Ouais, on va le laisser comme ça. De toute façon, la tenue de Serre d'Aigle antique cache un petit peu tout le reste de... Pour tout le reste de sa tenue. C'est pas un problème en soi d'ailleurs. Oh la vache. Ah, par Neptune. Saloperie. Un autre ennemi de toute façon. Voilà. Oh, d'accord. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il y a la charrette ici. Bon, je crois que je me suis assez baladé dans cet endroit. Je crois que je vais m'extirper avec un balai. Ah merde. Ah. Mélodie, Mélodie. Mayday, Mayday. C'est bon. Maintenant, sortons-nous de là. Oui, j'ai vu que j'avais un chapeau de qualité supérieure. Mais je verrai ça juste après avoir quitté cette putain de forêt. Et c'est pas encore fini, c'est ça le pire. C'est beau putain. Oula oula oula. Apparemment je suis trop haut. Ah la protection. Oui. Oh t'es sérieux. Oui, il y a aussi l'amélioration du balai que je pourrais acheter. Malheureusement, ça coûte super cher cette merde. Et il a dit qu'il voulait faire une petite ristourne. Et ben, on voit pas trop la différence. Si c'était aussi cher pour la version normale, ben, putain. Oui, il y a d'autres défis de Merlin que je pourrais faire au passage. Mais ça prendrait tellement de temps par rapport à ce que j'ai prévu pour mes vidéos. Je veux vous montrer des quêtes. Bien sûr, ça en fait partie aussi, entre guillemets, pour les défis de Merlin. Mais bon, ça prend beaucoup de temps. Ah oui. Ah, vous avez l'air de vous porter plutôt bien. J'en déduis que vous avez décidé de ne pas pénétrer dans la grotte de la fugitive. Erreur, mon vieux. On dirait que quelqu'un récupère des morceaux d'acromantule pour les revendre. Ce doit être lucratif pour accepter de risquer sa vie pour obtenir ces précieuses ressources. Ben oui. Eh oui. Monsieur Hadley, j'ai récupéré la montre à gousset ancienne sur le corps de Milo. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... En fait, je ne veux pas savoir. Je veux oublier cette acromantule à tout jamais. Merci. Merci infiniment. Moi, pareil. Je suis contente que la fille de Milo ait quelque chose pour se souvenir de lui. Moi de même. Même s'il avait des idées farfelues, Milo était un ami cher. Et il va me manquer. S'il vous plaît, acceptez cette récompense. Qu'avez-vous à proposer ? Mais qu'est-ce que vous avez déjà en stock ? Milo peut reposer en paix maintenant que son souhait s'est réalisé, que sa fille possède un souvenir de lui. Oh ! Cape de maison bicolore. Et... Ah, il y a quand même quelque chose de pas trop mal.
Un réapprovisionnement est toujours bénéfique. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais, je vais garder les mystérieux. Pour votre visite. Pour les un peu d'argent et une manche à baguette. Et je vois que ma baguette est toujours à l'affût. Il est en train de fumer, la pauvre. Bon. Le chapeau, c'est ici. Pas d'amélioration, c'est dommage. Oui, il y a des attributions sur certains vêtements. Ce sera expliqué plus tard dans le jeu. Malheureusement, ça sera pas pour tout de suite. Ah, elle est ridicule avec ce chapeau. Bon. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ah oui, un point de talent déjà. Qu'est-ce que je vais mettre? Non. Non. En tout cas, pour l'amélioration du potion et du rus, c'est très utile. Au moins, vous êtes complètement invulnérable. On l'a bien vu avec l'araignée. Avec cette putain d'araignée. On a bien vu que certaines attaques qu'elle me faisait ne marchaient pas. Ce qui est très utile. Non, je toucherai jamais à la magie noire. Ce sera utile, ça, peut-être. Ah oui. Ça va être très, très utile. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Maintenant que ça s'est fait, il me reste plus qu'à récolter du 6 cimbres. Malheureusement, j'en trouve pas dans la nature, mais je peux en fabriquer depuis ma salle sur demande. Mais il me fallait un grand pot et malheureusement, toutes sont occupées pour l'instant et ça dure des plombes. Récupérer des crottes de nez de trolls. Ah, je sais où trouver des trolls, mais c'est pas simple à les affronter. Je vais faire les devoirs de Madame Kogawa. Au moins, je sais où elles sont. Et même si c'est pas sur le chemin, je sais où est-ce qu'elles sont. Je vais commencer par celui-là, alors. Vu que c'est si gentiment proposé. Il y en a un autre un peu plus au sud. Mais bon. Mince, je me trompe de touche, moi. Je suis obligé d'être aussi bas pour utiliser le boost infini. Mais bon. Ça fait partie du gameplay. Ah oui, il y a une demi-guise dans le coin ici. Je crois que j'aille la chercher plus tard. Ainsi qu'un coffre. Pour une collection. Ah ! C'est vrai qu'il y a ça. Hop là. Peu de sorcières et sorciers sont parvenus à retracer l'histoire des labyrinthes d'Écosse jusqu'à leurs véritables origines. Un sorcier du 15e siècle appelé Unknown Blackwood, né Unknown Wood dans une broche non magique de la famille Wood, Unknown n'était pas compris par ses parents moldus et dans un effort pour s'intégrer, il se lança dans l'affaire familiale, la taille des haies. Il pouvait dit-on contrôler les pruneliers par la force de l'esprit, créant ainsi facilement de superbes motifs qui ne manquèrent pas d'impressionner et d'enrager son intolérante famille. Leur ressentiment grandit encore lorsque le jeune Enon reçut son invitation pour Poudlard, où il rejoignit la maison Poufsouffle. Ah ouais, il faisait ça très jeune en fait. C'est à Poudlard que Enon rencontra Artemisia Black, déshéritée par la famille Black après les ébats de sa mère avec le père moldu d'Artemisia. Le rapport de cette dernière à la pureté du sang était complexe. Elle se considérait comme digne du nom de jeune fille de sa mère et reprochait à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne condamnait pas Wood pour son ascendance moldue, mais elle le considérait lui aussi comme une victime innocente de l'impureté des moldus. Sympa! Il est où, coffre? Ah, il est là.
presque normalement. Voilà. Intéressant ça. Les pauvres. Allez, on est reparti. Faisons vite ça et allons voir notre cher ami le le vendeur de balais. Et on va bien voir si je peux. Ah tiens, c'est vrai. Qui booste. Si on peut avoir notre petite amélioration. Un défi de Merlin. Et voilà. Maintenant que j'y pense. Ouais, c'est beau, on n'est pas loin de la côte aussi. Maintenant que j'y pense, j'aimerais bien regarder s'il n'y a pas une poudre de une cheminette pas loin. Si, il y en a une là. Autant le débloquer, comme ça, si j'ai envie de me balader en off. Chemin dans le coin. Là, c'est haut. Ah la vache. Qu'est-ce qu'on est là? Rebellio. Ça, c'est un bug, ça. Rebellio. Poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Lorsqu'elle est lancée dans les airs, cette poudre originaire du Pérou crée des ténèbres impénétrables et résistantes à la plupart des sortilèges d'allumage de baguettes. Les serpents cendres l'utilisent pour voler sans se faire repérer. Ah. C'est comme ça qu'ils font. Oui, c'est un camp auquel je pourrais le raser. Mais je suis pas là pour ça. Putain, je ramasse des cailloux. Oh tiens. Je me demande si c'est ça auquel je dois aller péter les ballons. Je pense pas. Non, c'est pas cela. Aller en plus. Oh, il y a quelqu'un qui a taillé une haie de dragon. Ouais, voilà. C'est marrant de voir ça. C'est marrant quand même. Mmh. Oh, d'accord. Un autre parcours, un château. Je crois que c'est une ruine auquel on va pouvoir trouver de la magie ancienne pour améliorer notre niveau. Ah, il y a quelque chose en haut de ce château. Je vais aller le visiter, juste au cas où. Oui, il y a bien de la... Je me demande qui vivait ici. Il y a bien un petit parcours pour la magie ancienne, mais c'est en haut. Là. Je me dégage pas ça.
que j'aime bien, c'est qu'on voit trois petits flux magiques qui nous montrent approximativement où se trouvent les éléments de notre récolte. Et ça fait rapide là. De l'argent. Les suivantes sont en haut. Il n'y a pas de restriction à ce qu'on utilise le balai. Ah ah ah. Avec un coffre. Voilà. Une casquette. Et enfin le dernier. Il doit être quelque part dans la tour peut-être. Ah non, il est là. Voilà. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour me voir faire. Oh, c'est pas vraiment un énorme exploit, ma petite Mélodie. Petit coffre. Et c'est tout. Je reviendrai un jour plus tard pour ceci. Mais ce sera pas avant quelques épisodes, malheureusement. Bon, tiens. En regardant un petit peu au niveau exploration... Ouais, il m'en reste encore 4 autres. Et j'ai ça, récompense balai, d'apparence de balai. Balai illico presto. Ah oui, c'est avec le panier à fruits juste derrière. Ça c'est mal, ça c'est pas mal. Ouais, il m'en reste encore 2 pour le défi de Merlin. D'accord. Autant vous montrer aussi. Hein. Ah, j'avais pas pris la récompense, d'accord. Les ennemis connus aussi. Les araignées. Voilà, d'accord. Et c'est tout. Maintenant, retournons à Préolard. Oui, on retourne à Préolard. Et occupons-nous de ce... de cette amélioration de balai. Qu'on passe enfin au niveau 1. Ah oui, c'est vrai que maintenant on est en automne et il y a des décorations assez sympathiques à voir. Ça fait drôle de pouvoir se balader de nouveau. Ravi de vous revoir. Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de balai. J'apprécie beaucoup votre aide. Y a pas de... Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Voilà, amélioration de balai. 1000 dollars. Super. Oui, 1000 galions normalement. Voilà, je me fais un petit peu d'argent déjà. Donc là, pour l'instant, c'est 1000 galions, mais le prochain, il sera un poil plus cher. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Je dois vous dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris 2 fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? Oui, oui, c'est ce qu'on va faire. Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? C'est à un saut d'ici, au sud de Préolard, dans un splendide cadre montagneux. Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants. J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient, impatients de voir ce qu'Imelda leur réservait. J'ai été un peu surpris, car beaucoup d'entre eux exprimaient des réticences à l'idée de concourir contre elle. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous tenterez l'épreuve. Pensez-y au moins. Bien sûr.
J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Revenez au plus vite, nous allons faire d'immenses progrès. Survoler la compétition, et c'est à 2 km. On va faire la course alors. C'est à 2 km d'ici. J'ai pas une cheminette pas loin. Yeah. Ça va, c'est à Pont Désir le plus proche. On va faire un petit saut quand même. Oh la vache, j'avais oublié qu'il était aussi loin. Je vais essayer d'avoir aussi les points de téléportation sur le chemin. Du moins, si j'arrive à en choper une ou deux. Avant de nous lancer directement à notre petite quête. Voilà, allez. Allez, Mélodie. On va suivre la route sur le coup. Donc, l'amélioration nous permet de pouvoir utiliser le boost dans un niveau de vol un peu plus élevé. Comme vous le voyez, je suis un peu plus haut que par rapport à d'habitude et je peux bénéficier du boost un peu plus longtemps. Ah, mince. C'est là. Hop là. Toc toc. Vous voulez quelque chose, monsieur? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Oh bah, vous avez de la chance, monsieur. J'en ai beaucoup en stock par rapport à certaines autres potions que j'ai pas les ingrédients pour. Mais bon, tenez. Vous avez raison, le monde n'est pas sûr ces temps-ci. Mieux vaut être prudent. Tenez, faites-en bon usage. Oh, c'est ce que je vais faire. Je vous le promets. Les hommes de Ranrock ne mourront pas. Je vous dois une fière chandelle. Oh. Je vous en prie, prenez ça en guise de remerciement. Ah, ça, c'est pas de refus. Ça, c'est en réalité pas équitable, mais au moins, si ça me permet de faire des économies de recettes et aussi d'argent, pourquoi pas. Oh, 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 oh. Ça, je suis pas contre. Hop là. Bon, les pierres de lude, j'en ai à la pelle. Mais par contre, des œufs de serpent cendre, j'en ai bien besoin, moi. Pour mes potions et du russe. Oui, j'ai dépassé la zone auquel on doit aller se rendre pour la petite quête secondaire. Mais d'abord, hop là, voilà. Et encore des quêtes annexes, je sais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose ici. Hop là. Non mais il fait pas dingue. Cette superbe broche représente un oiseau magique. Il est difficile de déterminer précisément son espèce, mais certains pensent qu'il s'agit d'un des oiseaux de la druidesse irlandaise médiévale Cliodna, dont le chant endormait les malades. Et ça, je trouve ça mignon. Et il me reste plus que deux parchemins pour réussir ce défi. Enfin, une partie du défi. Allez, faisons vite ce défi. Ferme. Monsieur Wicks n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. Oh, la personne la plus rapide de Serdaigle. Est-ce un compliment ou bien est-ce qu'on essaye de me tétiller? Bonjour, Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Bien sûr. Alors, tu as fini par faire peur à tout le monde? Oh, je ne manque pas de concurrents. Mais ils ne sont pas très bons. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau.
Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non? Eh ben c'est parti! Et attends. De concurrent sérieux? Serait-ce un compliment, Imelda? Ouais, ouais. Prends-le comme tu veux. Ça ne fait aucune différence. Les compliments, c'est pour les faibles. Personne ne me dit jamais que je fais du bon travail. Et je m'en fiche. Oh. Je sais que je suis la meilleure. Et ça me suffit. Alors, essaie donc de battre mon record, cinquième année. Et prends sur toi quand tu auras perdu. Voyons. Même si je perdais... Et si je retentais, je gagnerais. Je t'aurais au moins battu. Et t'as pas vu ma belle tenue aussi? Que la course commence. Enfin! Un défi digne de ce nom. Ok. C'est là auquel je vais... Je vais me casser la gueule. Oula. Ah, merde. Eh, mince. Faux départ. Fantastique. Voilà. Allez. Mince, les bibules, les bibules. C'était acceptable? Comment ça, acceptable? Là. Là, je connais pas tous les parcours par cœur, hein. En train de passer à une zone auquel on n'est pas encore allé et que ça va faire partie de la quête principale. Je commence à prendre le coup de main. Et déjà la moitié. Trajectorise. Et allez. Dernière ligne droite. Et voilà. Presque 2 minutes. Bon bah Imelda, elle a pris la poussière là. Enfin, le mannequin d'Imelda. La pauvre. Tu as progressé, je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause? Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible. Je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Ah oui. C'est vrai que le prochain parcours, c'est... dans un bon bout de temps, normalement. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui donc? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de ma propre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement, je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils. Mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant, obsédée par les êtres de l'eau. Ah. Elle n'apprend même pas à nager. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. Bien sûr. On verra bien, n'est-ce pas? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes, que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Bien sûr que non. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. C'est ce que je vais voir. Oh la vache, deuxième! Encore un vol réussi.
Je devrais le faire savoir à Monsieur Wix. Deuxième babinaise. C'est améliorable, mais bon, je suis pas là pour faire ce genre de petit défi. Mais bon, il y a des ballons au fond. Allons-y voir tout de suite. C'est beau, putain. Même s'il commence à faire nuit. Ah, il y a beaucoup de choses en bas encore. Un labyrinthe, un parchemin. Ah. D'accord, Mélodie qui voulait pas monter, c'était bizarre. Attends. Oups. Que je l'ai au moins. Oups là. Que je l'ai au moins celui-là. Hop là. Allez. Oh. Tiens, ça, j'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu quand je suis passé par là avec Arthur. Mais bon, bref. Ouais, je vais peut-être y aller en mode TP. Ce sera plus rapide. Et surtout, vu le temps qu'il est, je vais peut-être je vais peut-être faire ça, oui. Évitant de perdre du temps. Mais bon, bref. Pas mal. La petite fugitive en début d'épisode. Puis, la petite course en... emballé, pourquoi pas, c'était pas trop mal ces petites catenex. C'était pas mal. Au moins, au moins on voit un petit peu la différence de sur notre parcours de vol avec les améliorations du balai. Même si au fur et à mesure auquel vous allez avoir ces améliorations, il se rend de plus en plus cher et le et votre plus gros ennemi de jeu maintenant ce sera l'argent. Et oui, l'argent. Ah. Et j'en vois aussi sur certaines vidéos auxquelles il y a des moyens, de gagner de l'argent facilement entre guillemets et rapidement. Mais je suis pas vraiment très convaincu de ce genre de technique. Vous avez pu voler? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse. Et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Ah. Merci encore, sincèrement. Avant de partir... Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Si je peux vendre un petit peu mon bordel aussi. Tiens, ça. Monsieur Wix et moi-même formons une bonne équipe. Et voilà. Voilà qui est fait. Donc... c'est là-dessus que je vais m'arrêter, ça fait un peu tôt, encore une fois, je le sais, mais je suis vraiment désolé, j'ai pas beaucoup de place sur mes disques durs. Et ça m'arrange aussi pour créer des vidéos plus rapidement et tout le bordel. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao, c'est le caméléon avec ma petite Mélodie. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Lumos. Et à la prochaine, aïe aïe aïe. Comment ça s'assombrir ici? Oh, c'est vrai, on est en automne. On va bientôt passer en mode horaire d'hiver aussi.